Et là... C'est moi, Jean-Marc. Oui, merci. Alors, cercle vicieux. Comment dire ? Comment c'est un cercle vicieux ? Alors, nous a... il y a... Mais arrête. Chris, tout à l'heure, il est venu à la basse, maintenant il est à la guitare parce qu'il a fait les deux. Okay. Tous les instrumentistes sont en partie des ingénieurs. Et... Ah oui, Thomas ! Thomas ! Où es-tu, Thomas ? Alors, c'est là qu'il vient de Namur. Est-ce qu'il y a des Namurons à la basse ? De l'assistance. Voilà, Thomas a fait partie d'un groupe qui s'appelle IFA, dans lequel il y a aussi John. Comme jamais personne n'a été foutu de le prononcer correctement, c'est un acronyme, c'est trois lettres. Vas-y, dis-le. IFA. Hein ? IFA, c'est un acronyme. Attends, parce que là, IFA, ok. Ouais. Mais tu chantes en anglais. Ouais. Donc c'était IFA. Ouais, mais ça s'appelle un paradoxe. IFA. Non, c'était IFA. Et alors, ouais. Mais ça, c'était IFA dans ma couleur. Voilà. Moi, je voudrais juste faire une petite remarque avant de commencer. Je pense quand même que tous les mecs qui sont là se bougent. Je pense que lui, il est bougé. Arrête de toucher ma sueur. Et j'ai un peu l'impression qu'il n'y a personne qui bouge. Donc, c'est pas de bol parce que. Non, mais n'oublie pas qu'on est 20 ans plus tard quand même devant pas trop de gens. Non, on est 20 ans. Eux, ils n'avaient pas tous 20 ans. Il y en a qui, j'en vois deux ou trois par là qui ne devraient même pas être prêts là-bas. Je tiens quand même à dire que cette chanson a été inspirée par un mec qui n'est pas là. Ceux qui connaissent leur connaissant, ça s'appelle Cercle Vicieux, c'est l'histoire d'un mec qui reproduit à peu près les mêmes effets. Oui, je suis.
Merci. Putain, ce cercle vicieux, il faudrait qu'on ait un peu sorti de ce cercle vicieux que quand on fait du mal aux autres, on va faire du... Non, quand on nous fait du mal, on va faire du mal aux autres. Je sais pas. Je comprends pas ce truc, en fait, finalement. Hein. Je comprends pas du tout. Bah attends, à un moment donné, tu te fais larguer. Et tu considères que la soirée suivante, quand tu sors avec une fille, tu dois aller faire du mal. C'est ça, cette chanson. C'est naze. On est bien d'accord. Ouais.